Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis ravie de tourner. Donc comme vous avez pu le remarquer au titre et au bonnet, ce sera ma première vidéo de la catégorie de Noël. Voilà, donc oui, le bonnet est assez gros. Voilà. Bref, donc aujourd'hui on se retrouve pour ma wishlist, je ne parle pas plus et je vous laisse découvrir ma wishlist. Donc première chose, c'est un fauteuil, donc je vous prévois de faire un room tour de Noël de ma nouvelle pièce, puisqu'elle va être énormément décorée vu qu'on commence la déco la semaine prochaine et non l'année prochaine. Bref, excusez-moi si je bégaye. Hein. Donc j'ai demandé un nouveau fauteuil parce que celui qui est ici, c'est celui de mon salon. Histoire d'accessoiriser, de faire une pièce pas trop vide encore. Mais voilà, j'ai commandé un gros fauteuil mauve, donc vous aurez une vidéo de toute façon sur mes cadeaux de Noël. Ensuite, toujours pour décorer ma pièce, j'ai demandé un lampadaire. Donc en fait, c'est une base ronde tout simplement et une grande tige comme ça avec la lumière au bout. Tout simplement. Voilà, donc j'ai demandé ça. Je vous mettrai une photo ici si je la retrouve. Ensuite, j'ai demandé un livre puisque depuis que Julie, donc une de mes meilleures amies, m'a parlé de ce livre, j'ai juste trop envie de le lire. Il s'agit de Reste fort de Demi Lovato, donc je vous mettrai une photo ici si je la retrouve, enfin si j'en trouve une d'ailleurs. Voilà, j'ai vraiment envie de le lire, enfin ça me donne vraiment envie de le lire en tout cas. Et voilà, j'espère l'avoir. Niveau produits de beauté et beauté, il y a deux choses que je voudrais, donc la chocolate bonbon je crois, donc la palette bonbon de chez Too Faced, donc elle est toute nouvelle, je mettrai une photo également ici, et un rouge à lèvres MAC, celui que je veux depuis trop longtemps, c'est le Impassioned que j'aime de trop, il est juste génial. Ensuite, prochain cadeau que j'aimerais avoir, c'est des coques de téléphone ou au moins une. J'ai une pochette zébrée et une coque avec une main rouge marquée dessus, touche pas à mon phone. Mais j'aimerais du changement. Donc si je pouvais avoir une troisième coque de téléphone, ça me ferait très plaisir. Ensuite, pour cette chose là, j'ai eu pas mal de temps de réflexion parce que je savais pas trop si j'en voulais, si j'en voulais pas, enfin bref. Ce sont des paires de bottes puisque mes bottes ne m'en vont plus. J'ai qu'une paire de Vans, une paire de baskets comme ça quoi, que je porte l'hiver. Et disons que j'aimerais bien avoir une autre paire de chaussures à côté. Donc ce serait plutôt des bottes. Voilà, donc je demande des bottes à mon anniversaire, à Noël pardon. Mais il faut encore que je regarde le modèle. Donc, ensuite pour accessoiriser encore une fois ma pièce, j'aurais aimé un kit de 24 Polaroid à commander et juste le milieu d'une horloge comme ceci. Donc vous voyez, il y a un petit rond au milieu et il y a les aiguilles. Et ben moi je veux juste ça mais en gros, et pour pouvoir faire une horloge mais en Polaroid dans cette nouvelle pièce. Donc bien évidemment ça fera partie de mes DIY room décor, je sais pas encore ce que je vais vous faire. Je vous prévois normalement, c'est pas encore sûr, mais normalement je vous prévois un ou deux DIY pour Noël. Ensuite quelque chose pour YouTube, enfin deux choses pour YouTube. La première chose, ce serait une caméra de vlog parce que franchement vloguer avec mon gros appareil c'est très lourd, ça fait très mal au bras, croyez-moi en tout cas. Et donc voilà, j'aimerais vraiment avoir une petite caméra de vlog, un petit appareil photo normal, mais avec l'écran qui se relève. Ça, ce serait vraiment super cool. Et de haute qualité. J'aimerais également des parapluies, donc ça, je sais que je vais les avoir, les parapluies. Il y a pas mal de choses que je sais que je vais avoir, mais que je voulais déjà, donc je vous les mets sur ma wishlist. Des parapluies, donc d'éclairage pour mes vidéos. Par exemple, là, il est 17h, je crois. Il est 7h, donc 19h, et à cette période là de l'année il fait nuit dehors, donc j'ai que mes lumières artificielles, ma lumière derrière, les bougies, les petites lampes, enfin voilà. Je m'arrange pour que la luminosité soit bonne malgré que, ce soit pas toujours le cas, pardon. Donc voilà, j'aimerais vraiment avoir des éclairages
éclairage pour tout simplement pour pouvoir avoir une bonne luminosité pendant mes vidéos. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et moi je vous fais plein de gros bisous, jusqu'à ma prochaine vidéo. Ciao.